Des bisons bientôt chassés dans le mythique Grand Canyon. Je t'explique tout dans ce nouvel épisode de Green Story. Trop de bisons tue le bison. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'affaire qui secoue depuis quelques temps l'Arizona et bien au-delà. L'Arizona, ça se trouve ici, aux États-Unis. Cet état est la terre d'un des parcs nationaux les plus connus au monde, le Grand Canyon. Un paysage grandiose, étendu sur des milliers de kilomètres carrés et classé au patrimoine mondial de l'humanité. De nombreux animaux vivent ici, comme le célèbre condor de Californie, un des plus grands oiseaux du monde. Mais c'est aussi dans ce parc que s'est établi un animal tout aussi impressionnant, le bison. Et si je dis établi, c'est bien parce qu'il n'est pas originaire d'ici. Alors, comment il a atterri là? On doit la présence de ces bovidés à un certain Charles Buffalo Jones. C'est lui qui les a introduits dans la région au début des années 1900. Un siècle plus tard, ils sont entre 400 et 600 spécimens à se balader dans le nord du parc national. Et ils y sont bien dans cette zone protégée puisqu'ils échappent aux chasseurs. Mais cela pourrait bien être de l'histoire ancienne. D'après le National Park Service, les bisons seraient responsables d'une dégradation de la biodiversité du parc et de ses sites archéologiques. Une situation qui ne ferait qu'empirer. En effet, comme ils n'ont pas de prédateurs naturels sur place, leur nombre va tout simplement augmenter chaque année. La solution est donc claire. Réduire leur population en la faisant chuter à moins de 200 individus. Le parc a d'abord opté pour la méthode de capture puis de transfert des animaux vers d'autres états américains. Des dizaines de bisons ont ainsi été déplacés à l'extérieur du parc ces dernières années. Mais depuis peu, il a été convenu de la mise en place d'une chasse de ces animaux. Un appel à candidature a été envoyé et a connu un important succès. Quelques 45 000 personnes ont postulé en seulement 48 heures. Mais seuls 12 pourront y participer afin d'abattre le même nombre de bisons. Cette chasse, qui est une première dans l'histoire du parc, n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Plusieurs défenseurs des animaux remettent en cause la démarche. L'organisation autochtone The Sioux Chief a lancé une pétition pour stopper cet abattage. Elle propose plutôt de poursuivre la méthode de transfert des animaux, expliquant que de nombreuses tribus pourraient en accueillir. Le bison est en effet un animal important chez les Amérindiens, notamment dans la spiritualité. La pétition a reçu plus de 22 000 signatures. La chasse, elle, devrait bien avoir lieu à l'automne prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.